Aujourd'hui, le plus grand conseil, hein, le conseil le plus qui a tellement de valeur à moi, à mes yeux, voilà, à l'ère, à cette ère des réseaux sociaux, le conseil le plus grand que je, voilà, quelqu'un peut me donner, c'est de me dire, ou bien c'est de dire à quelqu'un de tout faire pour ne pas laisser s'étaler sur les réseaux sociaux sa vie privée. Ta vie privée. Il faut tout faire, hein. Il faut tout faire pour éviter à ce que ta vie privée soit étalée sur les réseaux sociaux. Très franchement. Parce que, une fois que c'est étalé, c'est parti. Si c'est venu, genre, si les informations sur toi, sur ta vie privée, les infos là sont étalées, hein, de façon erronée, avec des erreurs, avec des mensonges, sur les réseaux sociaux. Même les fois où tu viendras corriger le tir et tout ça là, c'est parti quoi. C'est parti. Pourquoi je ramène tout ça là? Oui, vous savez très bien qu'il fut un temps, j'étais venu faire un épisode de L'Air Talk ici à propos de César Beluga, notre national, avec Esseni l'artiste. Voilà. Il y a des bangbangs ici, comme quoi ils ont été en relation, ils ne sont plus en relation, et voilà, tout était parti en. Et genre des choses, des informations futées, genre ils se sont dit des choses qui ne devaient même pas, qui n'ont pas leur place sur les réseaux. Mais voilà les filles, écoute-toi, voilà. Et je l'avais nommé César Beluga featuring Esseni, saison 1, le film. Mesdames et messieurs, voilà un peu la saison 2. Oui, parce que c'est gâté sur la toile. Ces deux derniers jours, c'est encore gâté sur la toile à propos des deux frères et sœurs. Il s'est passé quoi? Qui a commencé quoi? Comment tout ça a encore commencé? Comment est-ce possible que, genre, nous sommes toujours, genre, ils sont encore sur la toile en train de parler de leur relation qui n'a pas marché. Les gars, je suis Julien Kenyong Zok. Soyez tous les bienvenus dans ce nouvel épisode de L'Air Talk. Voilà, on va parler de ça, hein, ça, dans cet épisode. Si vous êtes prêts, Mijo. On est tout dit, mais est-ce que vraiment on est tout dit? Ok. L'Elo, c'est la vie. Les délices de Nadi, hein, voilà le nom d'un restaurant spécialisé dans le maniement, dans la gestion, dans la préparation de différents plats à base de la viande du porc. Tu as bien entendu, et envie. D'habitude, qu'est-ce qu'ils font? D'habitude, ils font des couscous au porc avec légumes et petits pois. Ils font des choucouillas de porc, Jésus Christ. Porc DG, DG, toi, directeur général. Ils font djinkoumé au porc, viande de porc, frits, petits pois au porc, porc braisé, voilà. Tout ça là, avec les accompagnements qu'il faut. Aloko, pinon, akpan, frites, atiké, ouais, voilà, les trucs, non. Voilà, c'est sur commande. Si vous voulez passer des commandes, voilà. C'est le 96 32 36 64. 96 32 36 64, voilà. Tout est à base de porc chez eux. Ils ont maîtrisé le traitement, le travaillement de la viande du porc pour tout faire. Les délices de Nadi, c'est ce qu'il vous faut. 96, 32, 36, 64. Voilà un peu. Voilà, comme je le disais, voilà, César Beluga et puis Esseni, voilà, ils sont venus avec une autre saison, voilà, de leur série. Hein, voilà, permettez-moi de l'appeler comme ça. Mais arrivé un moment, je me dis, comme je l'ai dit au début, il faut tout faire pour ne pas faire étaler ses affaires privées sur les réseaux sociaux. Parce que ça n'arrange rien, quoi. Ça ne fait qu'empirer les choses. Hein? Les réseaux sociaux, en plus de notre ego, voilà, tout ça, là, quand ça se mélange, là, ça ne donne rien de bon. Oui, tout récemment, vous êtes au courant que Piyu est parti au State. Et avant de partir même, il y a eu des bang-bang lui aussi avec, voilà, son ex, vous savez très bien de qui je parle. Et quand Piyu est parti, bon, tout le monde a fait des posts, il y a eu des vidéos, il y a eu des publications et tout ça là. Et c'est dans ce sens-là que César Beluga aussi a fait un post. Il a dit quoi? Oui, genre le post là, c'est la base du retour de leurs problèmes sur la toile. Voilà. Il a dit quoi? Il a dit Nyangankolo dona menkbelo. Nyangankolo dona nkbea meyalo. Et nous que les vieux pata leo ni vu ni connu. Oh toi, oh dure d'ota. Oh moi melo, puis le gossi.
force à nous. C'est ça même qui a tout gâté. Force à nous. Hmm? Genre, en quelque sorte, ceux qui ne comprennent pas trop Eve, il veut dire, voilà, sortir avec quelqu'un plus âgé que soi. Et de là, mais genre, ça finit toujours pas, on est quoi, à mettre la honte sur soi. Donc, tout ce que les petites filles sont en train de faire, ni vu ni connu, pour elles ont transporté ça sur la tête. Et il a tagué, puis oui, comme quoi, force à eux. Oui, pourquoi ça a causé des chaos? Voilà, tout le monde voit déjà que il est en train de faire référence à qui lui aussi? À Esseni. Parce que quelque part, Esseni, je ne connais pas leur âge, leurs différents âges, mais je sais que Esseni est l'autre, elle est plus âgée que César Belouga. Vous êtes au courant, non? Voilà. Donc, si ils ont eu ces problèmes-là dans le passé, et aujourd'hui, César vient faire ce poste-là, voilà, même si tu n'es pas du côté de Esseni, même si, genre, tu ne te mêles pas de tout ça là, en voyant tout ça là, en voyant les antécédents qu'ils ont eu à avoir avec ce poste là, tu vas dire en même temps que lui aussi fait en train de lancer un petit pic. Allô, Mdadia. Oui, tout le monde qui connaît tout ça là, qui a toutes ces informations là, qui est au courant de leurs antécédents, va se dire que César est en train de lancer pic à Esseni encore. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé dans le sens où Esseni a vu ce poste-là, voilà, est touché. Du genre, César est en train de la traiter comme Nyangan, comme quoi Nyangan Kolo, c'est elle qui a Nyangan Kolo, écoute, excusez-moi le thème un peu vulgaire, mais je suis désolé. Voilà quoi. Elle a fait un direct. Un direct qui même si au Tessena t'as mes dépé, genre tu vas être touché, ça va grave te toucher, très franchement. Ça m'a, les gars, elle a dit des choses dans ce live qui m'ont vraiment, genre, elle touché quoi. Il y a des larmes qui ont coulé et tout. En tout cas, comme d'habitude, je vous laisse regarder un extrait de ce live là de plus de 50 minutes qu'elle a eu à faire sur ce sujet là à cause de ce poste de César Belouga. Regardez un peu un extrait, on revient juste après. Jojo, ou du ferre doa. Jojo, m'de coucou le afono. M'de nyon nous signe, n'y be coucou le afono. En yé nyon nous si. N'y be gbe amou, n'y n'y a gana wa. Problème le. N'y a m'yabe gake moke le, di ma chia. Yo le insiste, kaka yem va loin. N'y a m'yabe. Nyagan, yo kele pomo. Ma de koukou no bene mwa fwende, so do tiwa. Aswe so kem kwa. Ye tobe gbea. Oye la va chite la no yombe nyagan. Kake mo le homen fan, a vi do tawa nyem ni nyagan na o. Chojo, a vi a kem le kwa. Nyem dine yagbe o diyo. A vie à kem le fan. Mba yagbe o diyo. Parce que vous devez y aller, regardez, écoute, Jojo. Jojo, vous devez y aller, regardez, écoute, tellement. Mon nana, il y a 50 euros pour ton nana, au dollar du nous. Bien des cas ont contribué les royaumes, bon. On a un an les royaumes. Et nous, pas du. On a tout refait, on a tout si, on a 20 euros, tété, bon. Et bien, on va les yombe, il y a un grand colo. Et bien, on va les yombe, il y a un grand colo. On va direct à mes autant va quoi. Ma double, la ma vie à quel est quoi. Je joue une baille génération audio. Mais là, il y a des gens de colo, des cas ou des cas. Kemi no hoya me kwa. On tu si jikbo, on tu jikbo. Tantu ole. Ta si ole. Ta si o kekbo o dom. Yo na ga keme yo be miya di miya no ele. Ebe o publication le yo be nya gan kolo. Nini ba mu jango. Be ga keme o jima si a mu lona wa. Aso e so kem. Na go kem tiya. Gake mo jima siye mu lono ba tokuma. Swe kem, Jojo. Gake mo nona huye me. Ye mu ona program kule kemi la ho.
lekemila ona homa wo lekemila wedo demila opatsa demila mahiaja ekebela nyoa gemi nya gan kolono gawami ba wo publication pe sonti nyeko ça y va de ma dignité, de la dignité de mon fils on va no akoya me a tous les jours et vigne ne foue bien am sebe mama toto jojo il fait quoi comme travail? Il ne fait rien comme travail. Tonto Jojo, pourquoi toujours quand il est là, il reste sur Netflix? Et d'ailleurs, qu'il me blague, il y a un dimanche détail de Odo Woti pour ton respect. Et Béoti, télé en publication. Benyaga Kolobe Piwi, force à nous. Vois son Kemble Woti, tu vois quoi que là? Il y a un blague, il y a des mais par rapport à eux. Moutoko, et il y a un yana mege. Beto be mutoku o seza beluka. Et il benam. Et dégradé, imaginez. Ça fait plein de choses. J'ai tout fait pour corriger mon image. On balédi bava en publication les yonye. Benyaga kolo momo de fouton. Ma une sokio. Vous voyez un peu, vous voyez un peu. Voilà, voilà un peu la réaction de Ceni vis-à-vis de César et par rapport à ce poste qu'il a fait. C'est vrai, César quelque part n'a pas mentionné de nom, n'a pas mentionné son nom, voilà. Mais quelque part, c'est force à nous, surtout, je dis bien surtout, cette partie qui, voilà, qui ne va pas bien avec la situation qu'il y a entre lui et Ceni, sachant que Ceni est plus âgé que lui. C'est ça qui a tout déclenché. Regardez comment Ceni a réagi. Ceux qui veulent bien regarder l'entièreté de ce live-là, la vidéo est toujours disponible sur la page de Ceni. Voilà, voilà, allez regarder l'entièreté. Mais j'allais, elle aussi a dit des choses. Elle a dit des choses comme quoi, hein, César, quand ils étaient ensemble, ne faisait que regarder Netflix. Adjamou, on adore les posts, c'est elle qui se chargeait de tout. Et c'est salissant. Hein. Ça met la honte ça met la honte sur toi, quoi. De voir tes affaires privées étalées comme ça sur la toile. Même si Ceni dit que voilà, elle ne veut pas rentrer dans certains détails sur sa vie et tout ça là, mais les informations qu'elle sort déjà sur César, il y a des choses qu'on doit faire de sorte que voilà, ça reste dans le privé quoi. Les informations, non, nous passons. En tout cas, César de Beluga aussi n'a pas hésité à envoyer une réponse, à faire une vidéo lui aussi pour répondre un peu à Ceni. Voilà, et dans sa réponse, il insiste sur le fait que, voilà, il n'a pas cité le nom de Ceni. Il n'a pas cité le nom de Ceni, mais moi, d'après moi personnellement, et mon avis, mon opinion n'engage que moi seul. Voilà, le fait de dire force à nous, ça en dit long sur l'intention derrière le poste. Mais les gars, je vous laisse regarder un extrait de la vidéo de César aussi pour répondre à Ceni. Regardez plutôt. Parce que de un charme, je ne parle même pas de toi. En fait, en quoi, il faut savoir que Benare, il n'y a pas de calculer ou un tochon. C'est comme ça. Mais il y a un beau tome. Il a prouvé que puis voyager à Tagene, sur l'ancien pic. Dans le. Et nous, à mon coup, il y a un beau très cuit. Il y a un clash ou un c'est toi, tu as ramené notre histoire de couple que ton va résoudre. Chose que j'ai trouvé ridicule. Le direct au milieu du méfia. Ozona me blanagna ou bien que il va doha beha et voit un doigt chinois quoi. Et n'y a pas de beluga qui est fier. N'y a pas de vague, non, bien au mariage. N'y a pas de rota signe. Wesh, au cas de j'y venais, n'y a pas de
C'est ça la vérité. Au carré, j'ai à moi, j'ai les messages, j'ai les audios, j'ai tout. Hein. Au carré, bon, vous dire que vous avez un carré. Il y a le message. Hein. Déjà, vous avez le message. Vous avez le message. Vous avez le message. Parce que voilà, il y a encore des milliers en relation. Donc, vous avez le message. À famille ba merele ya avec quoi c'est tout ce qu'on s'est dit koya mariage ben yo va blona ni mouton bon le blon mariage ben yari on to wel ni to ni les filles yo yo et ni mion un sawa alors je ne sais pas ta si ou ni mion ni me ke e yo beninia o le dit la dia le cri qui alors que je ne t'ai même pas demandé de faire ça ni ni komi le pompo le homme mi le blon yave nya. N'importe où, mais il famille, bon avec l'ognare, pourquoi c'est toi-même, tu as fait toutes ces démarches-là. Chose que, nous les condamnons. On les sait comme on va nous trouver à résoudre le bon, comme si, on les supplie dans un mariage. Moi, j'ai jamais supplié un mariage. On sait comme pour aller loin, au blanc, ben kebe, allô, on va tout coudouiller, coudou, papier, ben yalo, quoi que ce soit, en fait. Je suis désolé, Lo. Mais bon, en fait, à une collation dans papier. Alors, je sais pas, je comprends pas. Glenam, tu vas me donner papier avec quoi? Ni une toile. Est-ce que nous on s'y dit va y vous dire? Moi, je suis venu en Europe avec une licence et tu dis en yani. Oh les amis. Et tu vois, on toi, tu as fait quoi le mois? School vioni. Est-ce que une collation dans papier? Donc, à Déon, il y a du retard pour le moment. Et je ne parle même pas de toi. Quand je parle de Nyangan Kola, mais oui ou quoi. Nous, autrement, il page Nidia concernant Puyi, nous, la pente qui est loin. Et nous, qui est le Wakudo, Puyi, Kudo, nous, nous, Adoumé. C'est de ça que je parle. Mais Nyangan Kola, Donang, Bamea. Est-ce que Odong, Bama, rien à foutre de toi, en fait, en gros. Vous avez vu, non? Voilà un peu un extrait de ce que lui aussi là a à dire à propos de la vidéo de que Esseni avait faite concernant son post. Voilà. Et vous allez remarquer que dans les deux posts, surtout le post de voilà, surtout le post, la vidéo, les commentaires hein, des gens sous la vidéo de César, il y a d'autres qui parlaient de Goumet, tout ça là. C'est vrai, elle a mal. Quand bien même que elle est mariée aujourd'hui, elle est la femme de quelqu'un d'autre. Hein, que moi quelque part, elle ne devait même pas venir faire cette vidéo là, mais tu sais, la douleur est autre chose. La façon dont on se sent, on est parfois emporté, on ne voit pas au-delà de ce qu'on ressent là présentement. Ce qui fait que si tu ne te contrôles pas, tu vas faire des choses qui ne sont pas vraiment cool. Mais elle a fait la vidéo quand même. Mais disons que il y a des personnes qui disent qu'elle a gourmé. Couteau. Ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai. Seda est revenu faire un post encore pour dire Jojo mo on de pena na ikpo. E hake amo de sinawa Jojo yena. Jojo ye so da de sendile Paris. Jojo fu ba buzzia. Tchale bekbe wa ba le wa le wa beta melo. Jojo fu buzzia. Ojo wa le o buzz kudo Jojo nto. Jojo fou au buzz, aujourd'hui elle est au buzz, coudo Jojo en toi. Donc voilà, pour César Beluga, elle est toujours dans sa lignée de buzz, parce que vous-même, vous savez, c'est les réseaux sociaux, et ils ont eu à faire des buzz ensemble, voilà, organiser tout. Et c'est ce que Jojo, César Beluga, pense toujours de ses sorties. Hein? C'est ce qu'il pense. Oui. Peut-être que c'est parce que. Et Céline va sortir un son vendredi. Hein, demain, aujourd'hui. C'est aujourd'hui, vendredi. Donc voilà. Et Céline va sortir un son, si tout, ce soir. Un son dont l'extrait, même moi, je kiffe déjà l'extrait. Peut-être que c'est à cause de ça, Jojo, bien César Beluga, dit qu'elle est toujours dans le buzz. Mais si nous voyons les choses autrement. Tout ce que moi je peux vous dire, hein, c'est de faire de sorte que vos affaires privées ne s'étalent pas sur la toile. Non. Madame m'a dit dans aucun sens. Ça va, j'adore, même si c'est du buzz que vous faites là, hein, et que vos affaires privées, c'est ça que vous utilisez pour faire le buzz là.
la fin ne sera pas bien. Non, très franchement. En tout cas, vous avez vu les éléments, vous avez vu la vidéo de Ceni, de César. Et dites-moi de votre côté, comment est-ce que vous trouvez ça? Comment est-ce que vous trouvez la réaction des deux côtés, de la part de César à partir de son post, ou bien la réaction de Ceni par sa vidéo, tout ce qu'elle a raconté dans la vidéo et tout? Est-ce que Ceni est en train de faire du buzz? Est-ce que Ceni a profité de cette situation pour faire du buzz, pour attirer l'attention des gens sur elle? Il y a ce côté-là aussi. Ou bien est-ce que, voilà, elle est sincère dans sa réaction vis-à-vis du poste de César? Dites-moi un peu tout dans les commentaires. Dieu mania comme Dieu mania, voilà, il le faut vraiment parce que... Elle est fouvillée. En tout cas, n'oubliez surtout pas, c'est le week-end commence déjà, donc n'oubliez surtout pas de visiter les restaurants de Burger Fabric, Nyontominia. Il y a tout là-bas. Si vous voulez pas vous déplacer là, voilà, appelez-les, Burger Fabric, voilà, passez votre commande, ils viendront vous livrer chez vous. Donc, n'oubliez surtout pas, et c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de L'Aile au Talk. Je m'appelle Jules, et Young Soul, qu'on se donne rendez-vous au prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Salut.